Aujourd'hui, le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes dans le monde. Une femme sur 9 en est victime, pendant qu'une femme sur 27 en meurt. Cette pathologie n'est pas que féminine, puisque près d'un pour cent des cas du cancer du sein concernent les hommes. À Maurice, entre 500 et 600 cas sont recensés chaque année. Donc mon cancer a été une épreuve très difficile. Au niveau physique, tous les traitements ont été vraiment lourds et ça a entraîné beaucoup de fatigue. Et cette fatigue aussi a du coup un impact aussi au niveau mental et au niveau psychologique. C'est pas simple à gérer. J'ai eu beaucoup de chance d'être bien entourée et d'être soutenue par la famille au niveau psychologique. Et je pense que vraiment ce soutien était primordial et crucial pour moi pour pouvoir m'aider à traverser cette épreuve. C'est à nous, nous tous, étudiants du lycée Laure Bourdonnais, d'agir, de faire la différence. Parce que le cancer du sein est universel et que sa lutte n'a pas de genre. Parce que le cancer du sein est une bataille perpétuelle qui bouleverse toute une vie. Et par un simple geste, nous pouvons apporter soutien et réconfort aux malades et aux survivants. Venez tous vêtus de rose en ce lundi 15 novembre 2021 et donnez un maximum de soutien-gorge neuf, sans armature, de toute taille et avec un minimum de rembourrage entre les 15 et les 19. Demandez à vos sœurs, vos mères, vos grands-mères, vos tantes, vos cousines et vos amis de participer. Puisque cette collecte est le symbole d'une vie meilleure pour de nombreuses Mauriciennes. Le projet pour le mois d'octobre, c'est Donate a New Bra. Le but, c'est surtout d'aider les femmes qui ont fait une mastectomie. La mastectomie est une opération chirurgicale qui consiste à amputer un ou deux seins chez une patiente afin de la soigner. C'est là au Link to Life, on cherche de l'aide. Les soutiens-gorge neufs récoltés seront par la suite remodélisés et transformés en mastectomie bras, qui sont d'ailleurs difficilement trouvables à Maurice et lorsqu'ils le sont, coûtent trop cher pour les malades. C'est pas la maladie qui tue, c'est surtout le regard des autres. Et sortir dans la rue et ne pas avoir à côté des seins, vous savez que les gens vont vous regarder. Et c'est là où Linto Life, nous, on met beaucoup d'emphase à motiver la femme à continuer ses activités de tous les jours, à reprendre la vie en main. Malgré le cancer, la vie continue. Et donc vous, les jeunes, vous avez vraiment le pouvoir de faire bouger les choses et nous avons vraiment besoin de vous. Since breast cancer is an everyday fight, let's stretch Pink October for another month. Participons. Together, we fight. On vous fait confiance. Ces personnes atteintes du cancer du sein n'ont pas choisi de battre. Mais nous, étudiants du lycée Laure Bourdonnais, pouvons choisir de les aider. Venez tous vêtus de rose en ce lundi 15 novembre 2021. Et déposez dans les boîtes aux entrées un maximum de soutien-gorge entre le 15 et le 19.